Thank you, Lord, for this time. We are grateful to your highness in this afternoon. Thank you for your precious presence. Thank you for your anointing. Sola table. Merci pour ton onction fraîche sur nous. Merci pour ton onction fraîche sur nous. Merci pour ton onction fraîche sur nous. Béni sois-tu. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. Amen. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue en cette deuxième session de ce nouveau module sur la destinée. Pour les gens qui étaient présents le dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas présents, connectez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir la vidéo du dimanche passé. Au fait, c'était une entrée brutale en matière. Parce qu'au fait, ce que nous allons faire aujourd'hui devait constituer la première séance. Mais que voulez-vous, nous sommes dans une école dynamique où nous faisons parfois les choses, souvent les choses, toujours les choses, selon que le mouvement de l'esprit nous conduit, tout en veillant sur la base de la doctrine dans notre communication. Amen. Alléluia. Donc, la série où le module concerne la destinée. Ça va prendre plusieurs séances parce que la destinée est l'une des clés de notre ministère, de ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur. Et nous donnons beaucoup de place quant à ce. Je vais vous lire quelques textes dans les Écritures. J'aurais voulu faire la lecture par rapport à la pertinence de passages tels liés à notre thème, mais je vais quand même respecter l'ordre de livre dans la Bible pour nous faciliter la rapidité. Proverbe. Voilà. J'ai quand même donné le mauvais ordre. Proverbe 16, 4, commençons par là. La Bible dit dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour... Pourquoi? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Retenez la première phrase, l'Éternel a tout fait pour un but. Job 18, 14 à 21. Job 18, 14 à 21. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant. Point d'autre destinée pour le méchant. Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Psaume 31, le verset 16. Psaume 31, la ligne 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main.
mes destinées sont dans ta main. Faisons un tour dans le Nouveau Testament, Luc 2. Luc chapitre 2, versets 33 à 38. Luc chapitre 2, versets 33 à 38. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le... » de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Dernier texte dans Romains 9, mais on va évoquer beaucoup d'autres textes pendant qu'on sera en train de parler. Romains chapitre 9, le verset 9 à 13. Romains 9, 9 à 13. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. La béatitude, en général, ça veut dire le bonheur. Ça veut dire le bonheur. Et vous allez voir dans l'évangile...
les choses. Il est miséricordieux, témoigne de la miséricorde. Il pardonne aux gens qui leur ont fait du mal. Il parle de ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire des gens honnêtes, sincères, intègres, qui ont marché dans une pureté de vie. Jésus parle de ceux qui ont soif et faim de la justice, ceux qui désirent, ceux qui ne supportent pas l'injustice, mais qui désirent, qui éluctent derrière la justice, ils veulent voir la justice de Dieu. La Bible dit que cette soif, cette faim sera assouvie. Donc la notion de béatitude doit nous pousser à savoir que il est question des vertus à manifester. Dans ce que nous faisons, dans ce qu'on nous prive, dans ce qu'on recherche, les béatitudes nous portent vers l'éternité. À savoir que tout ne s'arrête pas ici-bas. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Et que parfois nous sommes appelés à faire certaines choses pour en palper le résultat, où on est gratifié de l'autre côté du rideau. Heureux. 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 Et ce soir, nous allons commencer à citer 8 choses. Ces choses permettent ou font à ce que notre destinée puisse s'accomplir. Ces choses ajoutent de la valeur à notre destinée. Si elles font défaut, eh bien, c'est le but de Dieu sur ta vie. C'est un projet divin. Qu'est-ce qui me pousse à valoriser l'homme? Qu'est-ce qui me pousse, moi, à apprécier la valeur d'une vie? C'est parce que toute vie est un projet de Dieu. Toute vie. Même un avortement peut procurer la joie dans le cœur d'une femme stérile. L'enfant n'a pas survécu. L'enfant est sorti mort-né. Maman pleure parce qu'il aurait voulu voir son fils grandir. Mais écoutez, vous ne direz jamais que cette femme est stérile parce qu'elle a déjà eu à concevoir. Cet avortement qui est parti a permis à cette femme de ressentir les réalités de la grossesse, voire même de connaître les douleurs de l'accouchement. Il y a des enfants qu'on a enterrés à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans. Je me rappelle d'une fillette qui était très choyée, très aimée à l'église et qui est tragiquement morte d'une noyade dans la piscine de voisin. On a cherché l'enfant et elle venait à peine de manger. Et pendant qu'elle était en train de jouer avec des amis, on ne l'a plus revue. Personne ne pouvait savoir que le pire arrivait. Après quelques instants, on criait son nom. On criait son nom. Et quand on s'est rendu compte qu'elle jouait chez le voisin, on est entré chez le voisin. On a cherché. Et quelqu'un a eu le réflexe d'aller voir derrière, là où se trouvait la piscine.
Le corps sans vie de la petite est en train de surnager. Oh, je vous épargne de vous décrire avec le mot juste ce qu'a été la douleur. La douleur dans le cœur d'une mère, d'emplomètre de laquelle on a arraché une vie si précieuse. Aujourd'hui, sa grande sœur a 3 enfants. Si elle était en vie, certainement, cet enfant serait marié. Très vivante, très vigoureuse, elle était très éveillée, très intelligente. Elle faisait des poèmes à l'église, elle faisait mouvoir le cœur de toute personne qui l'entendait. L'église a pleuré, et l'homme de Dieu, le bishop Sony, a pris la parole. Il a donné une belle exhortation, mais il y a une phrase qui est restée de manière indélébile, inscrite dans ma tête concernant cette tragédie. L'homme de Dieu a dit, il y a des vies qui sont comme des étoiles filantes. Elles apparaissent et comme par un flash, elles émerveillent les gens. Waouh, quelle beauté, quelle couleur. Elle se finit, elle s'éteint. Chaque vie, même de fous, de folles, que vous voyez traîner dans les rues de Kinshasa, chaque vie est porteuse d'une destinée de Dieu. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu gagnes une âme, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu juges, tu apprécies quelqu'un, tu utilises ça comme la première unité de mesure. Que celui qui est devant moi là, c'est un fragment, c'est un morceau, c'est une partie de la destinée. Je voulais dire. Ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, c'est la destinée que tu portes. Ce ne sont pas tes études. J'ai des diplômes, j'en aurai encore plus que ça. Ma valeur, ce n'est pas ça. Ça, c'est un renforcement des capacités. Ce qui fait de toi un être spécial, ce qui fait de toi quelqu'un de particulier, c'est le fait que dans ta vie, tu portes une destinée qui est propre à toi. Au fait, la destinée, c'est comme une empreinte digitale. Même lorsque une maman, comme je venais d'apprendre, une maman a fait, je crois, 9 enfants. 9 bébés. Du coup, chacun de ces 9 enfants aura son empreinte personnelle. C'est individuel. Ça, c'est une raison pour laquelle tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'auras pas tout dans la vie, mais tu seras spécial parce que tu as une destinée spéciale. Tu ne plairas pas à tout le monde, mais tu es quelqu'un de particulier parce que
Il n'y aura pas deux comme toi. Même en botanique, on confirme la notion de l'empreinte digitale. Donc, comme vous voyez un arbre, comme un manguier là-bas, touffu, rempli de feuilles, je ne sais pas, par milliers, il n'y a pas de feuilles qui se ressemblent. Il n'y en a pas. Tes yeux peuvent te tromper. Mais la réalité, il n'y aura pas de feuilles qui se ressemblent dans un arbre. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est l'agenda du ciel concernant ton existence terrestre. L'agenda du ciel concernant ton existence terrestre. C'est comme qui dirait en d'autres termes, c'est la carte routière de Dieu. Ce qui est prévu, étape par étape. Ouh. C'est Dieu qui t'a voulu congolais. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Si tu avais atterri aux États-Unis avec le même programme que Dieu a pour toi, tu allais échouer là-bas. Vous savez qu'il y a des clochards là-bas. J'allais finir comme l'un d'eux. Dieu t'a voulu au Congo. Oh, dis amen. Comment? Dieu t'a voulu congolais. Dieu t'a choisi ta famille. C'est la meilleure famille du monde qui pouvait t'accueillir sur terre. Dieu t'a choisi. Avec vos travers. Avec vos différences, avec vos problèmes, avec vos défis, avec vos difficultés. Il y a des gens qui auraient souhaité ne pas naître dans cette tribu-là. Dieu a fait le meilleur choix pour nous. La destinée, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre concernant ta vie. Tu es l'écriture de Dieu. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, vous êtes la lettre de Christ. Je reprends, la destinée, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre concernant ta vie. Là, les gens se battent dans ce point. Est-ce que la vie de l'homme est tracée d'avance ou bien lui-même, il doit se tailler son chemin? Nous croyons à un Dieu de prédestination. Et dans l'omniscience de Dieu, s'il ignore, il ignore ce qui va t'arriver, il n'est plus Dieu. La destinée, c'est l'intention originale de Dieu pour ta vie. Laisse-moi parler comme un quinoa. Damba boulayo kalavon yera moke. Maintenant, écoutez la beauté de l'affaire. Pour Dieu, chaque vie est une solution pour l'humanité. Je veux bien dire ça. Tu es né pour résoudre des problèmes particuliers. Tu es sur la terre pour être la solution de Dieu à des problèmes précis. Tu n'es pas de trop. Même lorsque l'humanité comptera 50 milliards d'habitants, tu ne seras jamais de trop. Dieu avait une intention en te créant. Dieu avait une intention même, je veux le dire, avant de te créer. La destinée, c'est l'idée que Dieu avait dans sa pensée en te créant et en t'envoyant ici-bas. Dieu a une idée claire de ce qu'il veut pour toi et de toi. J'ai tenté en vain deux inscriptions à l'Unikin entre 97 et 99 dans la faculté de médecine. On m'a refusé. On ne savait pas me donner de raisons. Finalement, pour ne pas me perdre, mon nom a figuré sur la liste de la faculté de lettres.
J'ai dit, moi, venu faire le lait. C'est alors que j'ai parachuté à Lubin. En gestion. Malgré que j'avais peur de l'économie et de toutes ces formules bizarroïdes. Heureusement, quand j'arrive là-bas, je me rends compte qu'il y avait plus de psychologie, plus de pédagogie que de sciences économiques pures en tant que tel. Quand la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que Dieu est le metteur en scène de ta vie. Il va orchestrer des choses qui te sembleront désagréables. La finalité, c'est que Dieu veut que tu arrives là où il a prévu que tu arrives. Que tu passes dans une fosse, que tu sois esclave dans la maison de Potiphar, que tu traînes plus de 2 ans en prison sans savoir toi-même pourquoi tu es là. Sache que le problème, c'est plus tu as de problèmes, plus Dieu amplifie les choses, plus la voie vers le trône se rapproche de toi. Dieu se servira même, je le dis, pas pour te t'encourager dans le mal, parce que Dieu ne tente personne dans le mal. Dieu se servira même de ta faiblesse d'attendre pour préparer ton cœur à être un pasteur qui va supporter aussi les faiblesses de ce monde. Tu te rappelleras qu'à chaque fois que tu as blessé le cœur de Dieu, c'est de la même manière que les membres, le fidèle, le disciple blesse son cœur. Et si Dieu t'a supporté, tu devras le supporter. La destinée, c'est ce que le ciel attend de toi. C'est l'attente. Une attente du ciel concernant ta vie. Tu es un projet de Dieu, je le répète. Dieu s'attend à voir le bénéfice au travers de ta vie. Nzamba gozwa mivé. Nanzela vina. Les âmes seront gagnées. Les vies seront impactées. Les gens auront appris l'amour. Les marginalisés, les défavorisés, le nécessiteux trouveront en toi quelqu'un qui va leur témoigner l'amour de Dieu. Les pauvres auront du pain dans ta maison parce que tu te souviendras que tu étais pauvre, que tu as trimé, que la vie n'a pas toujours été douce vis-à-vis de toi. Le ciel a des attentes sur ton existence, sur ta vie. La destinée est donc votre portion dans la vie. On peut vous priver de tout sauf de ce que Dieu a prévu. Faire constituer comme le contenu de ta destinée. Je suivais un documentaire sur le 10 joueurs qui possèdent le jet privé. C'est parti de 10 millions jusqu'au plus cher, celui de Cristiano Ronaldo, à 40 millions de dollars ou d'euros. Laisse-moi t'annoncer ce soir, sans avoir peur d'être contredit par qui que ce soit, si dans le contenu de ta destinée, il est prévu que tu puisses avoir un avion, tu l'auras. Papa, il en a. Non seulement il a un jet privé, il a aussi un hélicoptère. Il y a un contenu de ta destinée. Et parmi les éléments constitutifs de ta destinée, il est prévu un bon mariage qui te mettra tellement à l'aise. Comme je suis là depuis le matin, je souffre dans mon corps, mais je sais qu'il y a une douceur qui m'attend le soir. On n'est pas dans les mêmes cas. Parce que toi, tout ce que tu endures sous le soleil, ajouté à ça la défaite du Real Madrid le soir contre Séville.
Donc pour la première fois, je presse quelqu'un, au lieu de dire Amen, il dit jamais. Non, j'étais en train d'annoncer que dans le contenu de ta destinée, il est prévu un mariage épanouissant. Un mariage qui va te faire oublier que tu es sur la terre. De temps en temps, tu as les impressions que tu es déjà au ciel. Vous pensez que quoi? Jésus était venu sur la terre pour un mariage. Il a donné son sang pour son épouse. Et quelle patience! Depuis qu'il est rentré, il attend. En attendant que l'épouse soit préparée. Qu'elle n'ait ni ride, ni tache, ni rien de semblable. On va passer aux noces de l'agneau. Après la fête, ça sera la consommation de l'intimité. On parle même plus de temps. Nous sommes dans le domaine de l'éternité. Je prie Dieu que tu vives très longtemps dans un mariage béni et épanoui. Donc, mon mariage est où, toi? La destinée, c'est ce que le ciel vous a programmé d'accomplir. Oh! Vous avez un quota d'action et d'onction. Je reprends. Vous avez un quota d'action et d'onction sur la terre. Vous porterez votre onction jusque... Non. Jusqu'à la dernière goutte. Et vous opérerez dans les domaines de votre destinée. Si vous êtes appelé à ressusciter le mort, vous le ressusciterez. Sans trop de cérémonie. Vous guérirez le malade. Juste par un mouvement de main inconscient. Vous êtes en train de parler, vous agitez votre main de manière inconsciente. Et la personne dira plus tard que lorsque l'homme de Dieu a levé la main, j'avais cru que cette main se dirigeait vers ma tête. J'ai dit Amen. Et finalement, je me retrouve que j'étais boiteux, je marche. Parce que dans une destinée, oh, comme je l'ai dit au culte, c'est au fait Dieu qui devait agir à votre place. Il vous a laissé la passe. C'est ça la destinée. Vous serez en train de faire ce que Dieu devait faire. Il est écrit dans Luc, le Seigneur Jésus les envoya là où lui-même devait aller. Là où lui-même devait aller, il envoie le disciple. Là où il doit aller, c'est toi qui l'envoies à sa place. Et tu es préparé pour ça depuis l'éternité passée. Maintenant que tu entres en conscience de ces choses, maintenant que tu reçois ces informations, je prie Dieu que tu te disposes à payer le prix qu'il faut afin que ces mots deviennent réalité pour résoudre les mots. Si c'est écrit sur le tableau, tu allais comprendre mon français. Dernière définition de la destinée, c'est votre futur programmé, virgule fixé et ordonné. Votre futur programmé, fixé et ordonné. C'est bon? Dans Luc 24, le verset 27 et le verset 44 nous instruisent sur quelque chose de très important. Luc 24, le verset 27 et le verset 44 nous révèlent que le contenu de la vie terrestre de Jésus était écrit d'avance. La Bible dit, dans ces deux versets que je viens de vous donner, que les prophètes, les psaumes ont parlé de Jésus. La loi a parlé de Jésus. C'est-à-dire, en un mot, tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Vous connaissez ma prédication où je cite Jésus dans les 66 livres de la Bible. Jésus est présent.
Dans Genèse, il est le Verbe créateur. C'est lui le commencement de toutes choses. Dans Exode, il est présent comme l'agneau pascal. Dans Lévitique, c'est lui le sacrificateur. Dans Nombre, il est là. C'est ça, vous m'êtes voir. Ok. Dans Nombre, il est là comme le serpent des reins. Dans Deutéronome, il est là comme le prophète plus grand que Moïse. Dans Josué, il est le chef de l'armée. Dans Juge, il est libérateur. Dans Ruth, il est le Goël, le proche-parent ou l'aide du rachat. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, il est le prophète en qui nous pouvons faire confiance. Dans 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Jésus est le souverain roi, mais qu'il lègue aussi son héritage aux autres. Dans Esdras, c'est lui notre scribe. Dans Néhémie, il est le restaurateur de brèches. Il relève même de villes. Dans Esther, il est notre Mardoché. Et dans Job, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans Psaume, il est qui? Il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Proverbe et Ecclésiaste nous présentent Jésus comme étant la sagesse. Cantique de Cantique nous présente comme étant un mari plein d'amour pour nous. Esaïe nous dépeint comme un prophète qui souffre. Tandis que Jérémie parle de lui comme étant le germe juste. Lamentation le présente comme étant le prophète qui pleure. Tandis que Ézéchiel présente Jésus comme l'être merveilleux à quatre faces. Daniel parle de Jésus comme étant celui qui vient à notre secours. Le quatrième homme qui intervient dans l'homme dans les puits. Osée présente Jésus comme étant le mari plein d'amour. La Bible continue jusque dans Apocalypse. Jésus est présent. On parle de lui de Genèse à Apocalypse même sans le citer. Écoutez, sa naissance a été annoncée et décrite. Son entrée à Jérusalem a été prophétisée par Michée. Réjouis-toi, parce que ton roi, ô Jérusalem, Bethléem de Phratha, petite ville entre le milieu, ton roi arrive sur toi, porté par un ange. Sa mort a été prophétisée. Sa résurrection aussi. Le psaume dit qu'il ne verra pas la corruption. Sa glorification, tout est décrété, tout est décrété dans la Bible. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Lorsqu'il est venu sur la terre, dans Luc 4, il cite, du verset 17 au verset 21, il cite un extrait de la prophétie qui parle de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer, pour libérer, pour guérir, pour. Mais écoutez, il n'était pas le premier à dire ça. C'est déjà écrit dans Isaïe 61. Et cette prophétie s'accomplit en sa personne. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a une écriture de Dieu concernant ton existence. Je prie Dieu que le contenu de ta destinée soit des rouleaux et des rouleaux. Écoutez-moi très bien ce que je vais dire maintenant. Tu as deux options. La première option, tu vivras longtemps sur la terre. La deuxième option, peu importe le nombre de jours de ta vie, tu accompliras des choses qui seront difficilement imitables. Tu accompliras le nombre de miracles qu'on cessera d'écrire, qu'on cessera de rapporter dans les livres, parce que le nombre en sera grand. Et je prie Dieu que les deux grâces s'attachent à toi, que tu vives longtemps, plus longtemps que tes pères, que ton père, que tu vives longtemps et en accomplissant beaucoup plus de miracles. Ton futur est connu d'avance. Ton avenir est écrit. Dieu le garde jalousement entre ses mains. Le psalmiste dit que mes destinées sont dans tes mains. Une autre chose avant que je ne me mette à citer les béatitudes de la destinée, c'est que tu dois savoir qu'il existe une onction qui correspond à ta destinée. Amen. Il existe une onction qui correspond à ta destinée. Quand cette onction qu'il te faut pour aller dans un niveau faible vers un niveau élevé manque, la chanson de ta vie mourra dans ton cœur. Elle ira dans aucun signaux. Comme on dit, personne n'aura le temps de connaître.
ce que Dieu a prévu dans ta vie. Quand l'onction qu'il faut pour changer ton histoire en gloire est absente de ta vie, ton histoire devient comme une vieille fable. Comme un vieux conte. Quiconque déconnecte l'onction à ta destinée est ton plus grand ennemi. Est-ce que quelqu'un a écouté cette phrase? Toute personne qui cherche à déconnecter l'onction de ta vie, cette personne-là est le plus grand ennemi de ta vie sur terre. Quand je prêchais à Massina, il y a 2 semaines, je disais une chose. L'ennemi de ta vie, c'est aussi toute personne, tout esprit qui cherche à maintenir dans ta vie ce que Dieu cherche à tout prix à ôter. L'ennemi de ta vie, c'est la personne qui cherche à maintenir, à garder le plus longtemps possible en toi des choses que Dieu ne veut plus voir. Votre ennemi, c'est n'importe quel pouvoir, n'importe quelle personnalité, force, esprit, ruse, arrangement ou plan qui est assigné à vous empêcher d'accomplir votre destinée. Il est temps que vous preniez conscience que l'une des plus grandes batailles de votre vie, c'est la bataille de votre destinée. Elle peut toucher des corollaires, elle peut toucher des choses qui sont autour, mais en réalité, c'est le cœur même qu'elle vise. Elle peut mettre devant vous une Jézabel. Elle peut mettre devant vous un mari qui n'est pas digne de toi. Elle peut mettre devant vous des partenaires, des collaborateurs, des associés qui ne sont pas dignes de vous. Le problème, c'est que l'ennemi vise votre destinée. Oh, je prie Dieu, que ce soir, tu portes l'onction de ta destinée. Ce sera le visa qui va te donner l'accès au royaume de l'excellence et de l'accomplissement. Dans les panthéons de grands, dans les panthéons de grands réalisateurs, ton nom figurera en lettres dorées parce que tu auras accompli pleinement ce pourquoi Dieu t'a voulu sur la terre. La seule chose qui peut donner la puissance à votre destinée et permettre à cette dernière de fonctionner en accord avec le plan parfait de Dieu, c'est l'onction. Quand vous avez compris cette introduction, permettez-moi alors de commencer de vous citer les 8 béatitudes de la destinée. J'énoncerai un principe. Je l'explique et je conclue le point en récitant une béatitude. Vous avez compris? Le premier point, votre caractère peut être un atout ou un déficit pour votre destin. Votre caractère peut être un atout ou un déficit pour votre destinée. Idaosa disait, le don approchera des gens autour de toi. Le miracle de guérison sont des dons, sont des manifestations de l'esprit. Ça va attirer, drainer de foule autour de toi. Mais c'est ton caractère qui fera que cette foule demeure autour de toi. La beauté est un don. Qui peut attirer un homme. La richesse est un don. L'intelligence est un don qui peut attirer une femme. Mais c'est le caractère qui fera que vous continuez à vivre ensemble. J'ai mal parlé à ma femme cette semaine. On ne s'est pas mis d'accord sur un point. Je lui ai dit, tu vas m'énerver. C'était la phrase que j'avais dit. Bientôt nous aurons 10 ans de mariage, c'est la première fois que j'ai dit ça. Je n'ai pas dit je vais te frapper. Ça ne viendra jamais. Jamais. Mais je lui ai dit, tu vas m'énerver. Et j'ai senti que le climat n'était plus le même. Je lui ai dit, hein, hein.
regards sont dangereux. Il faut les attraper maintenant. Je fais un mamana message avec des émoticônes, des émotilogues même. À ma femme, je lui ai fait, je lui sauve. Nous qui passons, c'est sauvé. Et ma femme m'a écrit, j'ai de la chance de t'avoir. Oh, cette phrase m'a fait parler en langue. J'avance vraiment. Avec un caractère fort, ta destinée sera forte. Parce qu'on a dit, on a dit, tu es Joe, tu es Yaya, tu es Mobali, mais tu n'es pas fait pour le mariage. Va grandir un peu encore. Va comprendre encore un peu de choses. Et que tu reviens, tu comprendras que quand on dit que le mari est le chef de l'épouse, on ne l'a pas nommé dictateur de la République de Gondwana. La faiblesse du caractère va affaiblir ta destinée. La faiblesse du caractère va fragiliser ta destinée. Écoutez ça. C'est fort. Un bon caractère fera que ta destinée opère sur un budget excédentaire. Un bon caractère fera que ta destinée fonctionne avec un budget excédentaire. Un mauvais caractère fera que ta destinée fonctionne avec un budget déficitaire. Je sais que tu veux comprendre, je veux te faire comprendre. Je suis là pour ça. Celui qui a un bon caractère, il aura plus que ce dont il a besoin pour vivre. Il sera entouré d'amour. Il sera entouré de confiance. Il sera entouré de loyauté. Quand Salomon a manifesté sa vis-à-vis de Dieu, le monde entier s'est mobilisé pour accourir vers lui, lui apportant des cadeaux, lui apportant des dons. Et quand il est allé surfer sur le mauvais terrain, c'était de la dégringolade, c'était la chute. La force de votre destinée repose dans votre caractère. Autant que tu te soucies à te perfectionner dans ta vie de prière, autant que tu te soucies à perfectionner dans l'exercice des dons spirituels, bien aimé, c'est le verbe devoir, donc obligatoire. Tu devrais te soucier de ton caractère. Chaque personne qui t'aime ne peut pas tout te dire que tu es colérique et toi tu prends ça à la légère. Trois personnes qui t'aiment ne peuvent pas tout te dire pourquoi tu es devenu impatient. Et toi, tu prends ça à la légère. Retourne auprès de Dieu. Pose la question au Créateur. D'où m'est venue cette impatience? D'où m'est venue cette colère? Seigneur, brise-moi. Seigneur, relève-moi ces choses. Parce que Moïse n'a pas eu ton onction. Qu'est-ce que Moïse n'a pas connu comme expérience dans le surnaturel? Le vrai problème de Moïse, ce n'était pas ça. Le vrai problème de Moïse, c'était son caractère. Moïse, c'était ce qu'on appelle en psychologie un sanguin. Au tien, Nathier. Au petit hébreu, on appelle un petit, on a parlé au bout. Imaginez ce Moïse-là au désert. Maintenant, imaginez Corée, Dathan et Abiram qui se sont révoltés contre Moïse. Imaginez leur sort. Donc, les Josué n'interviendraient même pas.
Donc Moïse est en train de courir. Il est en train de Imaginez le bêtise, l'enfantillage avec lequel les enfants d'Israël se sont bombardés dans le désert. Maintenant, pensez à un Moïse sanguin, chaud chaud devant ce peuple. C'est lui-même qui allait le tuer. Mais la Bible dit que Dieu l'a brisé. Si la Bible ne reprend pas ce terme que je viens d'utiliser, mais du moins dans Nombre chapitre 12, la Bible rend témoignage que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Oh, je prie que tu puisses prendre conscience de la valeur de ton caractère. Vous savez, nous vivons dans un monde de plus en plus civilisé. Les gens te quitteront sans t'annoncer. Ils auront peur d'être mal compris. Ils te quittent dans la soirée. Valide-moi. Parce qu'ils ne supportent pas ton caractère. Il y a des gens qui t'aiment, mais qui ne supportent pas ton caractère. Vous pouvez comprendre ça. En psychologie, il y a le caractère, il y a la personnalité, il y a toutes ces choses. Il y a des choses avec lesquelles on est. Tu es né avec. Mais il y a des choses qu'on accumule, qu'on apprend avec le temps, avec l'expérience. En ce qui concerne le caractère bien-aimé, il est de ta responsabilité de changer. Ça, c'est la première béatitude de la destinée. Et je l'ai formulé comme ça. Heureux ceux qui ont un bon caractère, car ils accompliront énergiquement leur destinée. Heureux ceux qui ont un bon caractère, car ils accompliront énergiquement leur destinée. Allons-y rapidement. Deuxième béatitude de la destinée. Commençons par le principe, l'explication et puis l'énoncé de la béatitude. Ajoutez la connaissance. Deuxième point. Ajoutez la connaissance. Vous savez que j'ai déjà lu la Bible plus de 30 fois. Et avant-hier, j'ai lu 12 chapitres. J'ai un groupe qui lit toute la Bible sur Facebook. Le groupe a plus de 3000 participants. J'ai un programme de la semaine. Je me vois tellement coincé dans ce programme, j'ai dit non, non. Je vais commencer à publier ça. Je ne sais pas, ça va prendre combien d'années. Mais moi-même, je fais toujours l'effort pour avoir une vitesse de croisière. J'avais déjà la prédication de ce matin. Écrite d'un bout à l'autre. Ceux qui étaient là aussi. Mais j'ai continué à faire des recherches sur les choses que je savais que je n'allais pas dire aujourd'hui par rapport au même sujet. J'ai lu près de 3 livres autour du même sujet. Combien d'articles j'ai sur mon téléphone de recherche par rapport à tel ou tel autre sujet. Bien aimé, prophétiquement parlant, nous vivons dans un temps où la Bible a dit que la connaissance augmentera. Tu vas pas donner la main. Au temps où nous sommes, par rapport au contexte que Dieu a donné dans la Bible, qui aura plus de connaissances, tu dois le savoir, mon ami. À côté de ton onction, tu dois ajouter la connaissance. Tu dois ajouter la connaissance. Moi, quand tu me dis que tu es prophète, mais que tu n'arrives pas à bien prêcher, j'ai du mal à te suivre. Parce que le prophète du Nouveau Testament est d'abord un ministre de la parole. C'est d'abord un ministre de la parole.
C'est un Dieu qui doit connaître la doctrine. Faut pas regarder, mais dites. C'est vrai, il faut asseoir sous ma tête. Assez à soi. Journal télé. Dieu m'a dit, on a dit, journal, ça c'est une vidéo qui a dit, tu seras un patient médiocre. Tes bandits, ils doivent être quand on va t'attendre au rendez-vous. Parce que tu ne sauras pas parler devant l'élite de ton pays. Ils veulent le bien. Parce que Dieu agit avec toi. Ils aiment bien recevoir le miracle avec toi. Mais ils ne peuvent pas être membres de ton église à cause de ton niveau. Si vous avez besoin de convertir vos rêves en réalité, vous avez besoin de la connaissance. Je réponds. Si vous avez besoin de convertir vos rêves en réalité, vous avez besoin de la connaissance. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Il y a des promesses précieuses qui sont là pour nous. Et à partir du verset 5, la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu et à la vertu la connaissance. Faites tous vos efforts. Apprenez l'anglais. Perfectionnez votre français. Dans la bateau, Sonyo, à quel États-Unis, à salle église. Azoté en lingala. Yo, quand ils ont mon nom, ils ont mon nom, ils ont mon nom. Donc, yo, quand ils ont le voir ONG, il y a pas ses ressortissants, ils ont mon nom. Moi, je suis allé en Chine, je suis allé dans une église, j'ai prêché dans cette église 4 fois, je crois, ou 3. Il y avait une trentaine de nationalités, une église qui a moins de 200 membres. Il y avait une trentaine de nationalités dedans. Chinois, Colombiens, Zambiens, les gens de tous bords étaient présents. Et on prêche en français, on traduit en anglais. Va au village. Oh, même au village, quand tu vas, amène l'excellence. Dieu vous a dit que vous serez un homme d'affaires.
Et tu ne connais même pas ce que ça veut dire Nasdaq. Tu ne connais pas Fouti. Vous ne connaissez pas le marché boursier. CAC 40, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas ces structures qui décident sur la fluctuation de monnaie, qui décident sur le taux, le prix des choses. Vous ne connaissez pas ça. Et tu dis que Dieu m'a dit que je serai un grand homme d'affaires. Are you crazy or what? Tu dois connaître le domaine de ta prédilection. Tu dois identifier ton appel et ton ministère, si tu appelles au ministère. Et maintenant, sur base de ces informations, tu dois t'enrichir, tu dois lire, tu dois connaître. Ceux qui lisent sont toujours en avance. You can't lead if you don't know read. Les Américains disent, tu ne peux pas diriger si tu ne sais pas lire. The leaders are readers. Les leaders sont des lecteurs. Sont des lecteurs. Depuis le mois de janvier, tu as lu combien de bouquins? Tu as lu combien de livres? Tu en as acheté combien? Là même, c'est un domaine du péché. Tu en as lu combien? Comment tu prétends exceller? Quel est le thème de l'année dans votre église? Quelles sont les recherches que tu as faites autour de ce thème? Chaque année qui termine, ça fait maintenant plus de 6 ans. Chaque année qui termine, je reste avec les prédications que je n'ai pas prêchées par rapport au thème de l'année. J'ai des enseignements sur la foi. Heureusement que le thème de la foi est revenu 2 fois. J'ai un terrible enseignement sur le combat de la foi que j'ai commencé à préparer depuis l'année passée, s'il vous plaît. Depuis l'année passée. Chacun dans ce qu'il sait être son domaine devra entreprendre de recherches, acquérir la connaissance requise pour faire ces choses avec succès. Récolter, rassembler les informations. La Bible dit que celui qui a découvert un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour venir acheter cette lopin de terre afin de devenir le propriétaire du trésor qu'il y a découvert. Et dans l'Ancien Testament, je crois ce proverbe, la Bible dit, tu peux, avec tout ce que tu as comme argent, va acheter la connaissance. Si tu as plus d'habits que de livres, tu n'es pas appelé au ministère. Que je répète, si tu as plus d'habits que de livres, c'est que tu es le premier assassin de ta destinée. Tu es le premier assassin de ta destinée. J'ai plus de 10 Bibles. J'en ai plus de 10. Les versions électroniques ne comptent même pas, n'osent même pas. Tu veux l'excellence? Tu veux te démarquer? Nous sommes dans un monde au tiers bâti. Au bandit popcorn, moutaille au tiers popcorn. Au bandit au boudin no maki, 2 jours après, moutaille au tiers libaya. Donc on ne te laisse pas de répit. Bien aimé, c'est possible de distinguer dans un domaine pendant des années parce que c'est un domaine nouveau, c'est un domaine rare. Mais il faut se préparer, il faut apprendre, il faut lire, il faut acquérir suffisamment de la connaissance par rapport à ce domaine. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2:15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ouh. Quand vous êtes armé, blindé, des informations adéquates, requises dans votre domaine, vous allez fonctionner efficacement. Prenez la béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la connaissance. Ils seront pionniers et de référence en matière de succès brillant.
Je reprends. Heureux ceux qui ont faim et soif de la connaissance. Ils seront pionniers et des références en matière de succès brillant. Je pourrais même dire succès éclatant. Rapidement, quatre principes qui vont nous amener à la quatrième béatitude. Si vous voulez que votre destinée réussisse, mes amis, soyez vigilamment déterminés. La vigilance et la détermination sont deux ingrédients importants pour réussir dans la vie. Soyez vigilamment déterminés. Ici, nous parlons sur la vigilance et la détermination. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Le diable sait que toute destinée accomplie constituera une disgrâce pour lui et pour son royaume. Le diable sait que toute destinée accomplie constitue un échec pour lui et pour tout son système. Voilà pourquoi il ne s'assiera pas derrière, croisant les bras, te regardant faire tout ce que tu veux, sans embrouille, sans problème. Oublie ça. Oublie ça. Jésus a été combattu par le diable, qui a tout fait, tout tenté pour empêcher Jésus d'accomplir sa destinée. Paul et les autres ont été combattus par le diable. Tu ne seras pas épargné. Je ne serai pas épargné. Nous ne serons pas épargnés. Ne pense pas que parce que toi tu as reçu Christ, c'est la terre entière qui est devenue angélique. Même au travers de la sœur qui porte la robe qui balaye les quartiers, plus longue que la robe de tous les branamis se réunit, elle peut être un piège pour ta vie. Le frère qui porte les pantalons bien repassés là, qui sont tellement pointus qu'ils ressemblent à des gilets, si tout ça, si une mouche se pose là, elle se coupe en deux. Grand Benza, il y a Songel Kwambeli, qui enfile sa chemise tout le jour, qui ajoute le nez de papillon comme le coach ce matin. Il peut être le diablotin de ta destinée. Quand Dieu vous donne un rêve, ne permettez à personne de vous intimider. Parce que quand Dieu tient à vous élever, à vous établir, aucun mortel ne peut vous renverser. Celui qui est élevé par Dieu ne peut pas être renversé par des compétiteurs démoniaques. Aucun challenger qui a une connaissance méchante, qui s'inspire de livres malveillants, de sorcellerie, de magie, qui tire sa sagesse à partir de tripes, à partir des intestins du diable lui-même, ne saura pas tenir tête devant vous. Demandez à Daniel, il vous dira que même le collège de magiciens n'était pas en mesure de donner les réponses que Daniel donnait au roi. Les ennemis pourront se rassembler pour vous détruire, mais ils ne réussiront pas. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 4:7, l'apôtre Pierre dit, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La sobriété. L'ébriété. Évitez toutes ces choses qu'un enfant de Dieu digne de ce nom ne doit pas consommer. Soyez loin de l'alcool. Vivez loin de ces choses. Nous devons être sobres et vigilants parce que le diable ne s'assiera pas derrière, bras croisés, pour voir nos rêves se matérialiser. Dans Néhémie 6, tous les chapitres 1 à 19,
Néhémie a vu une coalition vindicative se lever contre son projet de restaurateur. En tant que restaurateur, il est revenu de la captivité avec une mission, avec une destinée. C'était pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais ce ne fut pas une tâche facile, parce que les ennemis se sont levés. Les Sambala, les Tobija, les Geshem, les gens de toutes nations, ils se sont ligués, coalisés pour empêcher à tout prix à Néhémie d'accomplir le but de sa destinée. Le diable a utilisé l'intimidation, même les rumeurs, lisez Néhémie 6, et même de fausses prophéties, lisez Néhémie 6 s'il vous plaît, pour effrayer les restaurateurs et mettre un terme à leur ouvrage, mais cela sans succès. Je prie pour toi qui me suis ce soir, et pour toi qui me suivras en différé, je prie que tous les Sambala, les Tobija, le Geshem de ta destinée, deviennent des spectateurs impuissants en face de l'œuvre que Dieu va réaliser au travers de ta vie. Mais sois conscient qu'ils sont là. Sois conscient qu'ils sont là. Un homme de caractère. Tu dois être un homme discipliné. Tu dois être un homme qui sait maintenir son corps dans une discipline qu'il faut. Tu dois être un homme qui ne se permet pas à tout. Il y a des jours, des semaines où je me décide de ne pas manger. Je ne mange pas. Des jours, des semaines où je me décide de ne pas toucher au foufou. Je ne touche pas au foufou. Des jours, des semaines où je me décide de ne pas dormir sur le lit. Je dors à même le sol. Des jours, des semaines où je me décide, c'est ma vie. Une destinée, elle ne s'accomplira qu'au prix fort, parce qu'il y a des unités, des entités malveillantes autour de moi. Ils ne sont pas là comme des, seulement des observateurs, mais ils sont là, ils agissent, ils sont en train d'instiguer les choses, ils sont en train d'initier les choses pour m'amener à ne pas atteindre le but pour lequel Dieu m'a créé. Même si vous vivez en paix, la bataille n'est pas encore finie, bien-aimés. Nous sommes encore sur la terre. Notre ennemi est un combattant incurable. La Bible dit que le diable a quitté Jésus. Il s'en est allé loin, cherchant quoi? Cherchant quoi? Cherchant une occasion favorable pour revenir à la charge. Une fois un roi d'Israël a remporté la victoire contre ses ennemis, le prophète est venu dire bravo, mais apprête-toi, parce qu'à l'année prochaine, les mêmes ennemis vont revenir. Et la Bible dit exactement l'année qui a suivi, ses ennemis sont revenus. L'ennemi est prêt à verser s'il le faut. Offensive en l'air. La dernière goutte de son sang. L'essentiel pour lui est que toi, tu ne vis pas ta destinée. Écrivez cette phrase. C'est une perle en matière de vigilance. J'aime ça. Veillez comme si tout dépendait de vous. Comme si tout dépendait de Dieu. Quand il faut prier, priez comme si tout dépendait de Dieu. C'est ça la foi dans la prière. Mais quand il faut agir, quand il faut veiller sur soi, faites-le comme si Dieu ne comptait que sur vous. Oubliez que les anges existent. Des pièges
Mais je prie Dieu que vous ne soyez pas pris dans ce piège. C'est ma prière pour toi ce soir. Que tu réussisses à tous les tests attachés à ta destinée. Que tu ne cèdes à rien. Que tu ne succombes devant rien. Car tu es principe. Encore vers la fin par rapport à l'heure. Le péché tue la destinée. Le péché tue la destinée. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue, mes amis, tout le monde le sait. Le péché peut mettre complètement fin à ta destinée. Le péché peut tuer ta destinée dans son berceau. À peine tu es né, tu n'as même pas encore accompli de grands exploits. Le péché est capable de te tuer dans le berceau. Le péché est capable de tuer une destinée dans l'œuvre. Même avant le temps d'éclore, pour être vu du monde, pour être consommé, être une bénédiction pour les nations. À peine tu as 500 followers sur Instagram, à peine tu as un petit succès comme ça. Que tes épaulettes, ma péta, augmente là-bas. L'homme de Dieu, l'homme à la langue du roi. Tu as des titres jusqu'aux cheveux. Qui t'a maudit, toi? Qui t'a maudit de Victoria? Dis mon diable. Qui t'a maudit? Le diable ne peut pas t'empêcher de rêver. Mais il fera tout pour empêcher le rêve, au rêve de ta vie de se réaliser. Le diable ne peut pas t'empêcher de rêver. Mais il fera tout pour empêcher au rêve de ta vie d'arriver. Le diable ne peut pas t'empêcher d'avoir une destinée. Le diable ne peut pas t'empêcher de recevoir une prophétie. Le diable ne peut pas empêcher Dieu d'écrire des choses par rapport à tes lendemains. Mais il va tout mettre en marche. Il va tout essayer pour empêcher que ce qui est écrit à ton sujet n'arrive jamais. Je prie Dieu, en tant que lettre de Christ, que tu sois lu par tes destinataires. Et après qu'ils t'auront lu, qu'ils te conservent jalousement dans les archives précieuses, oui, qu'ils te fassent lire aux autres. Tu es la lettre de Christ. Si tu aimes le contenu de ta destinée, si tu aimes ta vie, si par-dessus tout, tu aimes le Dieu de ta destinée, je te prie, mon ami, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Tu seras en train de jouer avec quelqu'un qui est de loin expérimenté que toi. Et cela dans son règne, dans son domaine. Le diable a péché depuis le commencement. Si tu joues avec le péché, tu joues sur le terrain du diable et tu joues son jeu. Ne crois pas que tu seras vainqueur. Parce qu'en matière du péché, Dieu n'est pas arbitre. Dans le match du péché, Dieu n'est pas arbitre. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te convaincre de ne pas t'inscrire dans cette ligue. Mais lorsque tu t'inscris dans la ligue du péché, Dieu n'est en rien concerné dans cette ligue. Tiens-toi loin du péché. C'est heureux, je m'en ai la faiblesse. Au bas de mon lit, je ma faiblesse. Ah, la mort, ma bouzou, ma mini, ah, t'as laissé péter. T'as l'air aussi ta vie, non. Frère, repose à comment on a séduit, mais ça tireur, front tireur. T'as l'air aussi ta vie, non. Abonnez le dessiné pour rien. Allez, il va jouer ton argent, jouer ton tour. Ne pas remarquer la maladie. Assez-moi, tout nid. Ah, quand ça te tourne, non, pèse à tout nid. Bienvenue à l'école de l'excellence et de la franchise et de la vérité. La haine du péché donne plus d'humilité à une destinée. Mon Dieu, la haine du péché donne plus d'humilité dans une destinée. Mais celui qui hait le péché, on doit immédiatement surmonter. Destiné d'aller comme un gars. Tu aimes ma casse.
résistante vis-à-vis de tout mal. Tu as besoin d'avoir, de rassurer, de renforcer l'immunité de ta destinée. Il faut apprendre à haïr le péché. Rappelle-toi que le péché dissimulé conduira à la disgrâce publique. Tout péché que tu caches, que tu cajoles, au lieu que la voix sonne en public. Nombre 32, 23. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. Prenez la dernière béatitude, toujours dans le point 4. Heureux ceux qui ont une haine pathologique du péché. Leur destinée prophétique est immunisée. Heureux ceux qui ont une haine pathologique du péché. Leur destinée prophétique est immunisée. Oh, ma c'est pas pour eux.